entière sur deux BF. Du coup, le choix de BF qui a été fait par Banjo ici, c'est assez compréhensible. En soi, les deux persos sont tout aussi forts sur la manne, notamment pour connecter sur les plateformes. On va voir si Banjo va mieux s'en sortir que la dernière fois que j'ai regardé un de leurs matchs. C'était en grande finale. Et ouais, bah je crois que le 7-40 il est pour Warming. Je suis plus sûr. En tout cas, ça commence bien ici. Warming qui voilà, joue son jeu pro-jo, c'est le but de là, il est là. Ouais, j'arrive. Bon match. On a perdu un de nos casseurs, donc on fait un changement. Ok, alors bon. Oh mon dieu, Banjo. Après, Billet, ça tue vite, hein. Faut qu'il fasse attention le Yuengling. Surtout, Yuengling, c'est un peu de galère. Enfin, faut qu'il connaisse bien ses confirmes, sinon c'est un peu galère à tuer, surtout contre un personnage comme Billet. C'est ça, après, il maîtrise bien le Yuengling, j'ai l'impression. Après, est-ce okay. que. On n'a pas encore vu le projectile. Oh là là, ça tu vois, il l'a analysé ça. Ça depuis la dernière fois. Le patron, il est pas bon. Il est là pour tuer, il est là pour finir. On va voir un peu, on n'a pas encore vu le jeu de projectile là. Mais ça met bien parce que là, en fait, le Yuengling il peut plus trop camper quoi. Il est en retard, il est obligé de rattraper ses stocks. Sinon, Banjo, je le connais, il va juste attendre et gagner en fait. Oh, c'est beau, ça je me le suis pris au moins 4 fois. Je me rappelle. Oh là là, ah, c'est trop stylé. On a tenté un donner là-dessus. Oh non, il a voulu être méchant. Non, par contre, il est en train de lui faire du sang. C'est terrifiant. Il est en train de lui faire du sang. Oh qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est une exécution publique. Oh, le patron il est pas content là. Je regarde Gold Roger sur log. sur Logtail. Logtail. Ok. Banjo, non, il va quand même pas. Qu'il non, déroule non. son non, jeu. Banjo. Et juste, on a l'impression que juste que Warning ne peut rien. Mais il est désemparé le Yuengling. Je pense qu'il est déjà passé à la game d'après. Après, c'est que la première game, hein, on rappelle. Après. Après la Banjo il envoie un message. Est-ce que Warming est connu pour ses retournements de situation? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais on l'a pas vu. On voit les petits. Dommage. C'est pas passé loin. Les petits. Mais on voit mais pas. Mais c'est pas fini. Un jeu de projectile prononcé. Il peut remonter. Bah je t'ai dit en fait, vu qu'il a pris du retard, il est obligé d'un peu de créer le jeu. Et Banjo en vrai, il joue bien. Banjo il est bien autour des. Dans sa game, là. Ah, petite erreur ici de Bakir. Bah là c'est pas fini hein, parce que on connaît les grands joueurs. Hein. Les grands joueurs quand ils ont une stock, t'as l'impression qu'ils en ont 4. Ok, ça c'est bien trouvé. Ah ouais, carrément. Ils tentent des choses. Oh non. Non, Banjo. Le beau jeu. Bah ouais, mais... Le beau jeu, regardez cet homme. Quel homme. Ouais, mais là, s'il la perd, ça va être compliqué. Non, il la perdra pas. On l'espère. On l'espère pour lui en tout cas. Parce que ça, le mental, ça ira pas bien pour le mental. Hein, si il a un mental invincible. Sinon. Regarde. Allez, voilà. Oh, l'interaction. Là, on a beaucoup d'interactions maîtrisées, c'est surtout des erreurs individuelles, j'ai l'impression. Ok. Bah là, j'ai l'impression que c'est Banjo qui joue contre lui-même. Hein. Oui, c'est un peu ça. C'est bien joué, il avait ça la... ne tue pas. Il avait lu la. Ça ne tue pas. La tech. Après, là, c'est dangereux là, parce que. Avec la rage. Bah, avec la rage, là, ça peut partir c'est... très vite. Là, ça part très vite. Hein. Là, ok. Mais non, mais là, il va. Attention. Il l'a. Un Warming qui a bien rattrapé. Hein. Non, il joue bien. Non, là, Warming tu vois, il y a eu une erreur là, de. La force du désespoir, j'ai un peu l'impression que c'est en train de se. Enfin, Banjo qui okay, a. Ok. Banjo qui est vide, hein, franchement. Et beau jeu. Beau jeu. Non, mais là pour les cams. Il est vraiment là pour les caméras. Hein. Oh la vache. Ah, dommage. Le choke. Ah, là. Tu l'avais. Mais tu nous as vendu du rêve. Aïe. Banjo qui a craqué sous la pression de l'avantage. Bah la pression et surtout il a grid pas mal. Le buff une stock contre 3 est broken. Bah en vrai ouais. Hein. Bah là on l'a vu. Hein. C'est BO5. Ah ouais. Bah oui on est en winner semi. C'est BO5. Encore 3 gays. Hey. tu le bois. Bon, on va voir si Banjo a réussi à se remettre de ses émotions. Bah si il déroule comme à la game d'avant, c'est parfait, hein, parce qu'en vrai, il y avait pas, y avait surtout des erreurs individuelles hein, au final. Parce que sinon, au niveau du jeu et de la maîtrise, il le buvait. Ok, Yuengling. Non mais là, il gère très très bien. Là, il est dans le chaud. Il s'est échauffé. Il a fait le warm-up. Ok, Banjo. En lien avec Warming, hein, vous l'avez. Ok. On l'a. Voilà, très très beau. Ok, très bien joué. Voilà. Ok. Mais ça c'est trop, ça fait tellement mal. Mais ça fait plaisir à voir, moi je prends du plaisir à voir. Je crois. Ça c'est ça qui est beau, mais il a eu une fois et c'est là que tu vois les grands joueurs, c'est... Il sait pas avoir une fois par le up B, tu vois. Ouais. Maintenant il fait attention. Bah c'est juste, c'est une très bonne capacité d'adaptation de toute façon. Là, ça on l'a vu game 1. Putain, mais beaucoup de crit avec le up B quand même. Et le problème c'est qu'il est tellement beau jeu qu'il se met lui-même dans des positions de merde.
Oh, c'est bien joué ça. Je savais pas que le nerf tuait. Oh, ça, ça, ah, le nerf c'est surprenant. Mais le nerf c'est souvent un combo starter, mais par contre quand tu directement sur le pied avant, ça tue, ça tue. Ça peut tuer. Il a pas tué là-dessus. Ok, bien joué ça. T'as vu là, il a clash. Souvent, souvent Liu Ming qui va tenter le trailer into forward air pour essayer de tuer. Forward air, très très bon. Hein, qui est très bon. Mais fait. Souvent, Liu Ming, c'est si tu connais pas les combos, okay. Ça peut être très très compliqué de tuer. C'est là où tu vois que Warming il gère très très bien son perso. Mais Warming est très très bon. C'est pas pour rien que il est seed 1. Je crois qu'il est seed 2. Ouais. Ok, ok. Bah c'est Matrega seed 1. Ça c'est bien joué ça. Dans le jeu, il maîtrise le terrain pour l'instant. Even. Ah, ok, petit rig. Ah, en fait, se prendre le boomerang comme ça, il a tellement de combos après. Le donner qui peut aller très vite. Il flash bien les flèches avec son back air. J'aime beaucoup ce coup, le neutral air de Young Link, c'est très plaisant à voir. Le nerf est tellement fort. Petit rouge là. En fait, il est super fort parce qu'il dure longtemps et il sort direct. Oh, le perfection vraiment pour le flex. Là, vraiment. C'est maintenant, c'est maintenant. Toujours vivant. C'est que maintenant. Là. Et Billet à 160, c'est comfort zone. Là, là s'il maîtrise bien son, oh la vache. Maîtrise bien son sujet, il peut retourner. Je sais pas comment ils font pour respirer. Avec leur poumon, vous me direz. Oula. Je crois qu'on a eu un petit rage là. Oh là, c'est bien joué ça. Ils repartent là. Et là, si, il faut que le Yuming tue très vite. Hein. Bah ouais, mais c'est ça le problème de Yuming. Enfin, mais là, il s'impatiente. Là, vraiment, si tu maîtrises pas le terrain, si tu maîtrises pas... Oh là là, il survit. Merde, juste ça. Oh, très bonne direct de la part de Bonjo. Bonjo... Les nerfs. On peut pas jouer vraiment... éternellement. Bonjo qui... Oh là, l'incivilité qui carry. Bonjo, il... Ah ouais, ça, c'est bien joué, ça. Warming qui se fait avoir sur des petits trucs. Ça ne joue à rien à chaque fois. Je crois qu'on a un nerveux derrière. Ok, Dadash attaque. Mais là c'est terrible. Oh, bien joué ça. Ça c'était très bien joué. Vraiment très énervé le monsieur. T'as un rush qui devrait. Ah mais là c'est même pas un rush, il a pété un câble je crois. Encore une fois c'est... Oh la vache. Toi quand t'entends un silence dans la... Ok. Ça tue pas. Ah il a vraiment... Ça tente Kayumi. Et on rappelle c'est un jeu vidéo. Ok, ça c'est très bien joué. Eh hey, le Yuling il se bat. J'ai l'impression d'avoir des flashbacks là, je sais pas toi. Je me rappelle de la game d'avant. C'était la même situation. Putain mais. Ah mais là c'est. Ah le jeu de projectile par contre très très bien maîtrisé. C'est de chill, très bien ça. Ça c'est bon ça. Tout peut se passer là actuellement. Mais on a vu Warming, très bon jeu de projectile. Warming, en fait, plus il est dos au mur, plus il est puissant. Ouais, très, très bonne maîtrise de l'ADN sous la pression. Hein. Ça, il a l'ADN du combat. Ah, moi je suis pas qualifié. Ah, vous modifiez juste les valeurs ici peut-être. Ok. Si vous le connaissez, c'est ça. C'est... Bah, c'est 0 et 1. Ah, mais tu updates. Et normalement. Ouais, c'est okay. Ok. Ok, merci. Oh là là, on est à 150%. Bien joué. Oui, oh là là. Le même coup qui tue deux games d'affilée, là c'est dur. Non, là c'est dur. Là c'est, là, très, c'est dur très pour Banjo, mais Warming solide hein. Plus il est dos au mur, plus il est puissant. Non mais là je suis assez impressionné par sous la pression, t'as vu mais le jeu de projectile de qu'il a fait. Le mec n'a peur c'est de rien. Assez fou. Ouais, il gagne bon. Hop, tous les trois. Ok, ça choisit la musique, là, ça rigole plus. Ça, j'ai rarement vu un acheter aussi violent. Mais bon. Enfin bref. On part sur une game 3. Encore 3 games, hein. Allez. Allez, on est reparti. Allez, on est reparti. Totalement non biaisé dans ce match. Semi, on est parti. Allez, Banjo. Donc il faut que vraiment. C'est bien. Là, c'est surtout, en fait, il l'a. Il l'a, c'est juste. Il lui manque la fin. Il et manque la finition. Warming qui. Très bonne résistance à la pression. Mais Warming, je sais pas comment il fait. Il est sous Doliprane. Il est apnu. Quoi ? C'est tout ? C'est terrifiant !
Mais Banjo alors est le là... GOAT. C'est pas Banjo Vie, c'est tout Banjo ça, GOAT. Enfin, Banjo qui a bien maîtrisé son truc là. Oh là là. Oh c'est beau ça, il avait lu la spot. Oh mais il est trop fort. Là là il est en train de... C'est bon, de faire du ça, il lui brise la nuque. Très bonne maîtrise du cible là-dessus. Mais regarde comment il joue autour des projectiles. Bon, il s'en prend quelques-uns de temps en temps. Mais... Oh bien joué, très très bonne maîtrise. Là, vraiment Warming qui a bien géré. Ça, ça se... Ouais mais la mort à 50% là. Pique un peu. Ah là, non, c'est dur pour Warming hein, parce que on sent vraiment qu'il essaye de faire son jeu habituel. Mais après, là, bon, jeu qui est on vous le rappelle, hein, Warming il commence toujours les games en retard. Ouais, de toute façon, là, rien n'est joué. Hein. Comme de toute façon, les games d'avant, rien n'était joué. Ouais, bah, même si Banjo avait beaucoup d'avance, ça tue. Oh, dommage, la DI là-dessus, je pense qu'il pensait survivre. Il a lâché le joystick et il est mort. Ouais, là, parce que Banjo ne fait jamais sur, d'erreur. C'est sur ces erreurs-là qu'on peut. Banjo Vie ne fait jamais d'erreur. Ça trade, je sais pas comment. Mais là, ça qu'on voit quand même que le nerf de Yumlink là, il part à une vitesse. Et surtout que c'est vraiment, un, c'est vraiment le perso peut tourner vraiment. Bien joué, bien joué, mais il est dans la zone. Vraiment, notre alerte de Yumlink part très vite. Bon outil de combo et même pour tuer, ça peut être pour se défendre, pour zoner, excellent outil. Oh, tu vois, il connaît quand même le matchup hein, parce qu'il a trade là. Il a su qu'il avait le temps de s'approcher et de faire un gros down smash. Ah, on n'a pas tenté le grappin là-dessus. Peut-être on n'était pas, pas très en biais. Je sais pas si ça grappe. Oh là là. Oh là 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 là. On n'a pas eu de tentative de grappin sur la fin. Ah là, il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé de d'ombre. Il n'a pas laissé. Là, il ne voulait pas se faire remonter. De 1, ça joue fort. À ma gauche, là. Je suis pas à l'aise. Ok, Banjo. Peut-être le retour. Warming qui va pas se laisser faire. Hein. Là, je pense que c'était une game un peu à vide. Il s'est fait arnaquer. Est-ce qu'on peut rêver Est-ce qu'on a le droit de rêver ici? Est-ce qu'on peut y songer, ne serait-ce que ici, on dirait le voir. Est-ce que j'ai le droit de rêver, moi? Oh là là. D'un Reverse 3-0. Et je pense qu'on rêve tous ici d'un Reverse 3-0. Ou au moins, on veut une game 5. On veut du spectacle jusqu'au bout. Exceptionnel, non mais regarde ce mec! Oh là 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 là! Ah non! Mais sur une! Enfin là il maîtrise là! Oh là là! Après ça des petites erreurs on voit mais. Non mais en fait c'est puni tellement bien, c'est terrifiant! Oui, oui. Oh, envie de pleurer! Hein. Bah tout à l'heure il a fait une erreur, il y avait 50%, il est mort! Oh le forward air qui a pas connecté ou la petite erreur! Oh là là, ça va se payer cher! Heureusement qu'il est pas mort! Hein. Ouais, il. Là la mort c'était Game 5. Mais Banjo a bien pu. On le rappelle, c'est du winner, hein. Les deux joueurs peuvent encore se retrouver hein, si jamais ça se termine prématurément. À moins d'une. Au final, ça égalise. Hein. On voit qu'en fait, une fois que Banjo est hors du terrain, il a du mal à. Oh, ça connecte pas. Oh, non. Ça connecte ça, c'est terrible parce que. Ah non, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il avait bien géré son. Ouais, il l'avait là. Oh, c'est bien vu ça. Oh là là. Ça fait deux fois qu'il le fait. C'est dur pour Warming hein, parce qu'il avait bien géré son ledge trap avec des bons projectiles. C'est dur là. Et le. Encore un. Parce encore que là, un forwarder qui connecte pas. Hein. Là, c'est terrible parce qu'il a même plus la rage pour tuer. Regarde là. Il... c'est encore, terrible. Encore un forwarder qui connecte pas, c'est vraiment. Ça, c'est dur. Hein. Bien joué. Bien joué. Et c'est là que Banjo il struggle un peu, ce qui est normal. Hein. Au ledge, c'est toujours compliqué. Oh oui! Oh non, le back air, c'est très beau là. Je pense qu'il aurait pu tuer avec un down air ou un fer. Ah oui, la flèche de feu qui a été. Ah là, c'était beau. C'est beau, ah, ça joue bien. J'ai bien aimé ce que nous régale les deux joueurs, c'est vraiment du très bon Smash Bros. Quoi. C'est pas du Steve. Moi j'aime beaucoup là. On en déplace de main Steve. Faire foutre. Oh non! PS2! C'est terrible parce que putain, quel game! En vrai, c'est un peu une justice par rapport à la game 1. Une justice, mais Banjo avait quand même bien grid là, c'est vraiment le terrain qui. Après là, il aurait pu remonter, tu vois. Il aurait pu remonter, il a mal géré, mais. Et là, c'était pas un grid, c'était. C'est vrai, il était en suivi. La pression en fait qu'a mis Banjo l'a poussé au suicide, c'est terrible à dire. Oh, c'est bien, ami. Il le laisse pas respirer. Il a même pas le temps de. Oh, ça s'use. Ok, combat de flèche ici. Vraiment, des archers dans tous les sens. Bien joué. Et il se fait pas grave hein. Non. Dommage. Bah là. Ah ouais. Il prend là. En vrai ça fait pas si mal hein.
Ok. Petite, ça a attendu la roll-in. Hein. On a je sais pas si un t'as peu vu. Perplexe. Ouais, ouais, je pense qu'il s'est dit, si il roll-in, il est mort. Surtout, on a, je crois mais Warming, il roll-in pas. On la connaît, la dernière cycle de Warming. Et je crois qu'il était assez perplexe sur la DL. Par contre, le Bardin qui est... Ouais, ça touche limite, mais... Sur le deuxième coup. Ok, la bombe. On a déjà vu ce scénario trois fois, enfin deux fois. Façon, est-ce qu'il va se reproduire une troisième fois? C'est vraiment discriminant pour Warming, en ce sens, s'il le touche pas, ça peut vraiment être compliqué. Ouais. S'il ne connecte pas, et ça remet l'adversaire dans une très bonne position. C'est bien joué, ça. Là, c'est tendu, là. Et moi, je pense qu'ils sont destinés à partir en Game 5. Je suis sur mon siège, alors peut-être. Ils sont destinés à partir en Game 5. Bah, est-ce qu'on a le droit de rêver finalement? C'est deux joueurs qui sont là pour se mettre sur la gueule. Dernière stock, dernière. Oulala, 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 c'est très dangereux. Ok, ok. Oh ok. Ça, c'était non, tellement bien vu. Oh, il était mort. Ah, les deux joueurs auraient pu se tuer là. Ah non, c'était. Bien joué, excellent. On peut pas rêver d'une. C'était 5, un match exceptionnel. Quel match, quel bravo aux deux joueurs. Warming solide. Hein.